plop les gens, bienvenue dans ce septième épisode de normalement de sur Dandara. Retour. À chaque fois que je lance mon stream depuis ici, enfin mon enregistrement vidéo, ça me met dans le menu, mais ce n'est pas l'objectif d'activer les cheats. Du coup, petit résumé rapide, on les a battus tous les trois et on devra sûrement retourner à l'auditorium pour les voir. Il y a toute cette zone là que j'ai pas faite, mais ça me semblait un peu violent. Bref, on va voir. J'avais peur en fait de le faire dans l'épisode précédent, si jamais c'est un combat tout ça. J'avais pas envie de passer trop de temps dans l'épisode précédent, mais si c'est juste une récompense, mince. C'est dommage. Ah oui. Oh punaise. Il n'y a rien d'autre ici. Ok, ok. La grande scène. Même le plus difficile de nos défis n'a pu t'arrêter. Malgré ton manque de noblesse, de classe et d'éducation. Même avec tes manières gauches et ta précision médiocre, tu as réussi à venir à bout de nos épreuves. Tes égratignures, tes bleus et tes cicatrices racontent l'histoire de quelqu'un qui n'abandonne pas facilement. Tu as suivi nos enseignements, relevé nos défis et nous t'avons vu grandir. Et surtout, tu as cru en toi. Nous allons donc t'accorder l'accès à notre source. Elle recèle une remarquable inspiration qui alimente la force intérieure. En effet. Quoi ? Admire ta récompense. Tu peux te l'approprier. Vas-y, et reste fidèle à nos enseignements. J'aurais sûrement dû mettre ça. La fois d'avant. Alors, il est écrit promesse. Les mots d'échec ont été rayés de la plaque. Promesse d'échec. Nouveau pouvoir, du coup. Aiguille cutanée. Éveille des pointes acérées qui jaillissent du sol pour anéantir vos ennemis terrestres. Oh! Ça peut être pas mal vu comment j'ai du mal des fois à viser les ennemis. Alors, j'ai pas été en bas du coup là, mais ça m'a pas l'air faisable quoi. Enfin, je peux tirer dans le vide pour essayer d'aller quelque part, mais c'est bizarre. C'est un peu bloqué, mais on peut essayer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, on peut retourner par là, mais j'aime pas cet endroit. Et tout là-haut, non, on pouvait pas y aller d'ici.
Je vais partir sur la droite. Hein. C'était en bas à droite. C'était en bas à droite. Oula. Là, faut y arriver par l'autre côté. C'était quoi? C'était X, ouais. Ah oui, et du coup, dans ce monde-là, je peux aller là-haut. Là-haut du vert. Vu que j'ai le pouvoir. Là, ok, c'était juste un truc transformation. Je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait parce que le mur vertical, on était que sur la gauche. Oui, ça en a fait à droite. On a tout fait, je crois. Et là, il y a des trucs en haut à revoir parce que qu'on pouvait pas forcément les faire avant. Enfin, on pouvait pas se retourner sur soi-même avant. C'est pour ça qu'ici on peut passer en haut au milieu. Mais pour aller là, il faut prendre une porte et une porte à gauche. Donc il vaut mieux passer par la gauche et prendre cette porte là. Ce changement de monde ici, je pense. Non! Attendez. Le changement de monde. Je ne pouvais pas remonter. Cette pièce là ne me permettait pas de remonter. Du coup, donc là je peux pas y aller parce qu'il faut revenir de là. Là je peux pas y aller. Là peut-être. Autrement on change de monde ici, mais je sais pas si on. Je sais pas si dans un monde ou l'autre on peut aller là en fait. On peut essayer d'aller là, ça sera plus simple pour le moment. Attendez, du coup. Ah ouais, c'est violent en fait. J'aime ça. J'ai fait la mauvaise touche. Oh mince. Alors là, on peut remonter avec ce truc. Je pense que de toute façon, on est plus ou moins obligé. Oui, c'est ça. Là, on veut aller en bas à droite. Qui attire notre œil. Sous un certain angle, cette pierre ressemble à un corps humain grotesque. Elle paraît complètement aberrante, comme si elle avait été, comme si elle avait pour objectif d'effrayer les voyageurs. Ok.
peu près sûr qu'il va falloir... Voilà, utiliser un moyen de faire les deux sans être exactement sur place. 1872, ah oui, quand même, beaucoup de sel dans ce coffre. Beaucoup, beaucoup de sel. On peut redescendre en bas. Alors, là... Où c'est ici? J'ai jamais été... Temps. Rire rotatif. Oula. Ah ouais, d'accord. Allez, j'y suis presque. Bon bah je crois que je vais sortir. Je voulais juste en faire un, voir si c'était... Qu'est-ce qu'on gagnait quoi. Pas grand chose pour le moment, beaucoup de frustration. On perd beaucoup de temps aussi. Juste petite question stupide. Ok. Oh! Rien de plus. Surtout que j'ai testé en butée 3 là. Enfin, en butée tout un rond, ça permet pas de le verrouiller ou quelque chose comme ça. Donc pour le moment, cet endroit est bizarre. On va essayer de remonter, mais par le cœur, je sais plus si c'est possible. Oh, on va essayer. Là. Alors, oui, non, oui. Et faut bien viser. Voilà. Alors là... Ok, là, on a besoin des pics. J'ai surtout besoin de... J'ai surtout énormément besoin
de me soigner là. De récupérer de la vie, de la potion. Potion de mana en particulier. Mais moi je peux passer à cet endroit là même si c'est bloqué après. Dandara, et évidemment j'ai pas assez de sous. Ça faudrait augmenter, ouais. Mais bon. Un souci à la fois. C'est marrant de voir qu'il y a certains... Après c'est le propre des Metroidvania aussi. Mais... Il y a certains objets qu'on n'a pas du tout alors qu'on a déjà les suivants. Oui, je veux y aller. Je peux peut-être... Genre si je prends ça et que je vise là plus bas, non, là. Oh là là, fallait juste viser tout droit. Il faut aller à gauche encore, en espérant qu'on puisse passer, vu que je vois qu'il y a un mur. Oui. Je monte tout de suite. C'était pas là. Non, c'est à droite, ok. C'est à droite et il y a un camp quasiment sur le chemin. Voilà, ça on pouvait pas le faire avant. Juste tourner comme ça. Allez. Dandara, tu te retrouves dans un endroit qui est et n'est pas tout à la fois. C'est le monde peint à l'aide de la palette des sensations, des ambitions, des histoires et des souvenirs. Des choses qui, pour autant que l'on sache, n'ont jamais eu d'existence réelle. Même si tu fais de ton mieux à chaque instant, tes propres pensées risquent de t'induire en erreur. Le sel existera toujours, tu peux t'y fier. Avance sans crainte sur son chemin. N'aie pas peur de rêver. Ok. Vue de l'abîme. Ok. Ok. On va faire le tour par la droite, hein, je sais pas. On est où? T'es moche le caillou. Non, c'est bon, y a rien. Village des artistes, club du coin. Quoi? Quoi?
Non mais c'est pas là que je veux aller, c'est de l'autre côté. Il se fout de moi ce jeu. Mais de... C'est quoi ce club du coin qui change quoi à chaque fois? Potion. J'ai l'impression que c'est buggé. Parce qu'en l'occurrence, j'ai pas l'impression d'y être dans la terre des rêves. Premier mini-boss qu'on ait eu. Okay. C'est la même salle mais de l'autre côté. Non. Voilà. Et donc ceci est choc anxieux. Une boule d'énergie anxieuse. Son choc électrique peut détruire tout ce qu'il touche. Menteur. Ça a pas tout détruit. Oh punaise. Ok. Non, c'est vrai, je suis à un endroit qui n'a plus aucun sens. Au secours, on s'en fout. Mais de quoi?
Ok. Non! Ah mince. Psychédélique. Est-ce que c'est un mot qui convient? Bah c'est parti pour les terres du rêve. Hein. Okay, je commence pas au même endroit. Ok, là, comment est-ce que si je reviens là, je reviens au point de départ? On dirait quand même. Ok. Qui sont sur des cailloux. Ah oui, c'est eux, d'accord. Comment je les ai rencontrés tout à l'heure, je les ai pas reconnus. Et plop Tokyo Mia. Oui, enfin la suite. Et je peux pas te dire où j'en suis parce que j'y comprends rien. Si t'étais pas là depuis tout à l'heure. Désolé. C'est compliqué. Puisque ça ressemble. Ça ressemble au début. Mais ça l'est pas vraiment. Voilà, en gros, je suis dans ce gros tourbillon. Mais ça ressemble aux pièces qui sont ici, là. Ça ressemble à cette pièce-là, le coin au-dessus et
Et quand je passe là, des fois je passe par une pièce et je reviens là, ou des fois je me téléporte directement ici. Pour le moment, c'est à peu près tout ce que j'ai compris de cette zone. Ah oui, et Mais non, potion. L'autre potion aussi. Oh. Non mais oui, je me doute bien, c'est... Et voilà, je suis en pause de potion. Oh là là. Mais en gros, ça a l'air d'être toujours des 2-3 mêmes zones. D'ailleurs, normalement, j'ai deux âmes là maintenant. J'espère que la première n'a pas disparu. Voilà, voilà. Ouais, bah, toujours sur la première à droite jusqu'à ce que je récupère mes âmes, ou est-ce que je vais plus loin? Non, toujours la première à droite. Hein. Pas trop compris comment c'est censé se passer ce truc-là. À chaque fois qu'on passe par ce coin-là, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus difficile. Mais il y a des trucs un peu aléatoires, quoi. Il n'y avait pas... Bref, qu'est-ce qui se passe? En plus, j'ai le... bug graphique. Mais bon. Maintenant, j'ai cette attaque qui est plutôt puissante, là, je trouve, à tirer des pics sur les murs et qui... Oh mince. Oh, deux fois. Ça fait exploser des... une bonne série de tirs. Il y a peut-être que je bourrine un peu, toujours aller au fond. Et elle m'a... comment elle s'appelle déjà? Lise, je sais plus quoi là, celle qui m'a aidé, m'a dit de suivre le sel, donc peut-être qu'il faut pas que... Peut-être qu'il y a un indice visuel quelque part sur... Ouais, ici c'est bien la voie du sel et ici non. Ici, j'ai récupéré un nouveau pouvoir. Je t'avais pas vu, désolé. Ok, boire une potion n'importe laquelle, ça soigne. Ça soigne du... de l'animation pourrie. Les caisses, ça donne du sel, donc... voilà, je suis vénal, tout simplement. Voilà.
Au secours, au secours. Et ici, ça donne des ennemis dans cette salle et c'est à peu près systématique. Mais je sais pas pourquoi, je les tape quand même. Parce que ça me fait des sous, forcément, au final, mais... Ça m'utilise une potion, quoi. Oh là, oh là. Oh là. Tant pis, hein. C'est vrai que maintenant les petites boules jaunes font spawn ces connards. Non, non, c'est vrai. Potion. Ok, là, ça se passe mieux. Mais, ouais. On peut dire ça, que je suis un peu maso là-dessus. Ah non, mais en plus, ça sert à rien. Vu que je l'ai déjà pris. Mais c'est aléatoire, mais pas vraiment C'est à moitié aléatoire quoi. Les ennemis ont l'air d'être pas toujours de placer de manière identique. Ah mais oui, on peut faire ça, j'ai oublié. Au revoir. Ah oui, j'étais mort là. On va se remplir la barre de mana. Voilà. Ah ! Si, on est toujours là. C'est parti pour un boss. Oh, j'en ai battu un déjà. Reviens à portée, toi, s'il te plaît. Ok. Pourquoi j'avais galéré de ouf la première fois et là, je me suis pris une fois des dégâts à peine. Non mais je suis toujours là, donc je peux pas voir à quoi ressemble la salle et me dire peut-être qu'en tirant en bas je peux l'essayer quand même. Alors oui. Ok, non. Bah tant pis. Y'a plus de son? Normalement si. Y'avait déjà plus forcément de musique, plus beaucoup de musique. Camp découvert. Ah super. Ah je suis heureux. Je suis tellement heureux d'avoir découvert un camp ici. Ah,
Ok. Ok, ok. Le secret des rêves. Une perle aussi ancienne que le grand sel, utilisée par le seigneur des rêves en personne lors de ses voyages en quête d'inspiration. Ok. Ah, ok. Rêve. Hein? Quoi? On peut se TP? Ok, moi qui me demandais si ce... Si ce dernier truc qui était grisé allait rajouter beaucoup ou pas de temps. En fait, non, ça va me faire gagner du temps et c'est pas du... C'est pas du... Comment ça s'appelle? C'est pas encore des trucs à collectionner, tout ça, c'est... C'est cool. Donc là, il me reste deux trucs. Et c'est tout. Il me reste que deux pouvoirs et ou... on va dire objets à avoir. Sachant que les potions ne sont comptées qu'une seule fois. Non, pas de sous. Pas de sous. Ok. Ah mais non. Ah, il y a une faute dans le titre. Eh ben, désolé. Ah ouais, mais je sais jamais écrire ça. Oui. Hop, rêve. Du coup, on va se TP. On va se TP où? Je sais même pas où me TP, moi. Près de la création. C'est là que je voulais me TP en vrai, mais... Comme si j'avais retenu tous les noms, quoi. Il me semble que là, il y avait des trucs qui s'étaient... Ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai reconnu quand tu me l'as dit, la faute. Je vais pas la dire, parce que... La VOD n'est pas obligée de savoir quel genre de faute je fais quand je me fais pas relire. Normalement les titres sont relus, mais ça arrive que je vois des fautes quelques temps plus tard. Il m'embête tellement ce corps. Je savais qu'il était là. Je sais toujours pas comment y aller. Quoi. Alors là, bois du plaisir. Hop là, désolé, je t'ai mal visé. Mais arrête de parler de Yosa, toi, ça donne faim. Ah, ici il y a trois coffres. Ok, ça, il faut prendre ça, je suppose. C'est ça. Il n'y a pas un arbre trié à faire disparaître. Bah, je sais pas. 540. 975. Et un objet de quête. Une fiole de potion, non? Normalement. Une fiole de potion. Potion de mana ou fiole de mana, mais pas... Est-ce que ça se voit que ça fait 1h40 que je suis en live? Oui, bah c'est ce que j'ai dit au début. Enfin, j'avais dit l'étoile de Judas, il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle.
l'étoile juive. En espérant pas me tromper, parce que je voudrais pas froisser les gens. Mais de... en nombre, ça ressemble beaucoup. Il émane de cette pierre la puanteur d'une substance huileuse et toxique. Ben, explosif, si c'est toxique. Mais en fait, oui, je pourrais essayer de taper tous les arbres avec toutes les compétences, mais ça va me prendre tout mon mana. Et je sais pas si c'est vraiment rentable. Parce que j'ai peut-être... Il me manque sûrement une compétence, vu que c'est pas évident dans les compétences que j'ai. Un truc qui pourrait brûler les arbres ou je ne sais quoi. T'as des gyozas dans le congèle. Ah, mince, oui, ici j'ai déjà été. Ici j'ai déjà été. Oh oui. Mais ici je... Est-ce que j'ai le souvenir d'être passé par ici? Au bœuf, gyoza maison en plus. Oh là là. Après, en vrai, la dernière fois qu'on en a pris au resto, j'étais pas ouf dessus. Ouais, il y a un coffre ouvert, donc je suis bien passé par là. Mais c'était pas des gyoza comme d'habitude. D'habitude, enfin, de ce qu'on a trouvé sur internet. D'habitude, ce qu'on mange, c'est plutôt fait à la japonaise, si je dis pas de bêtises. Et la pâte est fine et limite transparente. Alors que là, les derniers qu'on a eu, la pâte, elle est plutôt épaisse. Et apparemment, c'est plus gyoza chinois. Donc... Ouais, c'est grillé normalement, oui, mais du coup la pâte devient transparente, quoi. Alors que là, les derniers, pas du tout. Ils étaient bien opaques et voilà. Des sous. On va pas continuer la vie parce que je commence à avoir besoin des compétences. Donc, ce serait bien que quand je prends une potion, je puisse tirer plus d'une fois. Genre comme ça, quand je lève ma manette sans vouloir faire. Bref, je vais réessayer. Je sens que je vais le faire pour rien, ça m'embête. Mais non, je suis obligé. Il y avait un chemin à droite où j'ai pas, où je suis pas allé. De 1, ici. Et ici, j'ai toujours testé celui qui était à droite. Donc je vais tester, je sais pas moi. Le deuxième à droite ou celui en face, le deuxième à droite. Ça se trouve, ça va rien changer. Et bah si, ça change. Donc ça, ça donne des sous. Et je me jette dedans alors que je voulais viser à côté. Oh non, mais vous transformez-vous pas de connard en ultra connard. S'il vous plaît. Je sais déjà plus. Je sais déjà plus le combien tième j'ai fait. Je crois que c'est le deuxième. Oh mince. C'est la première fois que je vois un pic qui reste en permanence là-bas. Alors...
Il y a un chemin en bas et un chemin à droite. Oh punaise, des boulettes. C'est quand j'écoute un vocal Facebook que le son bug sur Twitch en fait. Ah, ok. T'as qu'à part utiliser Facebook. Il va falloir me soigner. On t'explique à quoi sert TikTok. Mais j'ai pas envie d'aller là. Là, je connais, normalement. Car on t'a lancé un défi un peu naze. Non, d'accord. Ok, à droite, première à droite, ça sera toujours la même chose. Deuxième à droite, normalement, c'est là où il y a les deux coffres. Et il y a un endroit vers le bas où j'ai pas été. Donc on va y retourner. Là. Ouais, ça se ressemble. Enfin, c'est les mêmes endroits, donc... Voilà, cet endroit-là, j'ai pas été. Ça me dit rien. On peut se mettre là-dessus, d'accord. Oh non. Oh non, mon monde est tout bancal. Oh, the go. Potion. Qu'il y avait un coffre ou quelque chose comme ça. Ouais, attention à la nausée, ça tourne. Tendra à son but bien en tête et sa poussée énergétique augmente. Ouais, il y a un cinquième coup quoi. Pas l'impression que ça aille beaucoup plus loin. Et donc maintenant, faut que j'essaie de remonter parce que j'ai pas trop regardé si là il y avait quelque chose. Là. Mais non. Ok. Je pense avoir à peu près tout exploré. Si je vais là-bas, il n'y a rien l'air d'avoir. Donc là, il faut que j'aille sur la gauche. Juste en dessous de moi. Voilà. Ok, donc 1, 2, j'ai fait. Mince. Maintenant en face. En face, c'est relou parce que tu vois l'endroit. Mais ça me libère pas la place. Parce que... En gros, là, il y a un chemin sur la droite. Je suis arrivé de la gauche. Il y a un chemin sur la droite.
Donc va falloir que je refasse le premier chemin à droite pour le débloquer. Vu que depuis le camp, on peut pas retourner vers le haut. Je réessaye juste, vu que j'avais bougé un peu. Est-ce que en face, c'est bien cet endroit-là qu'on voit? Mais je vais... Ouais, c'est ça. Mais je vais pas refaire tout le truc de droite parce que c'est la merde. Donc je vais faire par la gauche. Une fois que j'aurai fini les deux à gauche. Si je suis pas repassé par le même endroit. Quoi? Oh, au pire, tant pis. Hein. Voilà. Pourquoi je veux passer par là alors que j'ai déjà tout exploré, ça sert plus à rien de passer par là. C'est celui-ci qu'on veut. Là. Et là. Ouais, Kamea, Duken. Ah non, c'est la première qu'on explose, là où les deux premières qu'on explose. Okay. J'ai une idée à la con. On les esquive parce que c'est ceux qui me font perdre toute ma vie en fait. On s'en fout. Ouais, c'est ça. Ok, on s'en fout. Oh, par contre, j'espère qu'il n'y aura pas roll boss. Ok, merci. Donc là, ce qu'on veut, c'est aller visiter sur la droite. Quoi ? Ici.
Non, bah non, c'est ici, Terre du Rêve. Pont caché. Bah non. On va tous les faire, hein. Étude d'Athel. Non. C'est où? Étude d'Athel, c'est ici. Pont caché, c'est là. Ok. Mais ça avait l'air d'être dans le sens faubourg du village. Des premiers au dernier que j'ai découvert, oui. Les premiers tout en bas, ouais, ouais, c'est ça. Donc maintenant, faut que je fasse les deux. Les deux qui sont sur la gauche. Je pense que j'aurais tout fait. Ou alors que les deux sur la gauche, c'est les mêmes qu'à droite. Et c'est pour ça que je me suis fait avoir. C'est une symétrie. Ça ressemble à de la symétrie. Hein. Ça ressemble à être, non pas gauche-droite, mais un d'écart, deux d'écart, trois d'écart. Même pas en fait. On va y aller quand même. Ok, là, on retourne dans nos pas. Là, du coup, à la fin, je vais arriver de la droite. Si je réussis à faire tout le trajet. Ah non, c'est la même pièce. Donc on est obligé de la faire dans le même sens. Donc je sais pas à quoi ça sert cet endroit à droite à la fin. Ah oui, et il y avait un coffre ici. Donc forcément, même si je sais que ça, que ça fait spawn des ennemis, fallait que je teste à chaque niveau s'il y avait un coffre ou pas. Ah d'accord, il y a beaucoup trop d'ennemis, au revoir. Potion, vite, vite. Ok, on s'éloigne, potion.
Ok, bon, ben, je ne sais pas trop, j'ai l'impression que j'ai tout fait du coup dans les terres du rêve. Et ça fait un deuxième épisode de 1h06, donc plus long que le premier. Mais au moins concentré sur ça. Enfin, un peu d'exploration sur on fait quoi, on tombe là-dessus et on fait tout. Donc je pense que je vais m'arrêter là, ça fait un bon stream, une bonne vidéo, enfin des bonnes vidéos. Et je vous dis à bientôt.